Et salut tout le monde, c'est Diablo et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode final de Carmageddon. C'est le dernier, je vous montre, hein. Je ne plaisante pas. Beef Curtain. On retrouve l'environnement du deuxième épisode. Cette fois-ci, on va affronter ses opposants qui sont les suivants. Donc Autoscum. On les retrouve. Headhunter, Psycho Pitbull, Burly Charlie et Ernst Faust. Au niveau des pièces, on est full. On est full. Et par contre, au niveau véhicule, je vais prendre celui-là d'Otis. Donc les opposants ont changé, mais c'est pas grave. Hein. Je les verrai bien en jeu ou même sur la grille de départ. Donc c'est parti. C'est parti. Voilà le tracé. 15 tours. 260 piétons. Et 5 concurrents. Il va bientôt en rester plus que 4. Après cette courte page de publicité. Non, je rigole. Non, je rigole. Boum. Allez, lui. Déjà. Il fume. Ah non, fais chier. Pourquoi t'as zigouillé ma vache là? Allez hop, lui il est mort. Ok, Wasted. Et voilà, il est tous dingués, putain, casse les couilles. On est qu'est beau, on est bloqué. Et on va vite se débloquer. Allez, face to face, motherfucker. Ah, je suis bien content qu'on termine ce let's play là. On arrive vraiment à la fin du jeu. Qu'on puisse passer à autre chose. Et j'espère que ce sera un peu plus visionné, hein, parce que là, j'avoue que c'est... Je suis un peu déçu. En même temps, j'ai pas le monde d'abonnés et tout ça. J'avais pensé que ça aurait été quand même intéressant que vous voyez quand même un jeu qui a carrément été fait en let's play, quoi. Ce que j'ai vu sur YouTube il y a très peu. Mais, donc bon, si on prend un jeu comme San Andreas, on aura des dizaines de let's play. Ce qui n'est pas vraiment... intéressant, j'ai envie de dire. Mais après, il y a toujours le... Je vois qui fait le let's play qui change, quoi, le commentateur, mais bon. Je trouve pas que ce soit super intéressant de faire un let's play sur un jeu qui a été fait des dizaines de fois en vidéo. Et boum, et kaboum, et kaboum, boum. Je suis content parce que c'est le véhicule scorpion le plus puissant, entre guillemets, parmi les concurrents. Donc ça va aller assez vite. Je vais le désinguer. Je vais savoir ce que c'est, même parce que c'est comme.
Ah, c'est peut-être pas, ouais, notre véhicule qui est. Non, je sais pas. Bon, je sais pas du tout ce que c'est comme. Comme bonus, ça. J'ai jamais vu. Mais bon. On s'en fiche un peu. Ce qui m'intéresse, c'est de dégommer les deux derniers qui restent. Que nous verrons pour la dernière fois. Peut-être pas la dernière fois, mais. De manière officielle, oui. Il a fait pour aller jusqu'ici en pas deux secondes. Attends, j'évite là. Il faut que je fasse la toupie. Attention. La toupie. La toupie. Ah. Il est où ce con là? C'est coincé où? Il est simple de détruire lui que si ça avait été le véhicule chenille, même soit qu'on a démonté l'épisode précédent, enfin les deux épisodes.
Allez, lui. Allez. Oh, des gommes là. Allez. T'as résisté 36 millions d'années toi. Et voilà, mesdames et messieurs, nous avons terminé ce let's play dans la joie et la bonne humeur. Tout à fait. C'est ainsi qu'on clôture donc ce let's play sur cet épisode numéro 37, l'épisode final du de Carmageddon. Donc voilà, la cinématique finale. Ça, c'était le véhicule de flic amélioré.
Hardcore. Et voilà. C'est ainsi que s'achève cet épisode. Vous pouvez voir qu'à la fin du jeu, ben, on a possibilité de jouer tous les circuits. Et qu'on a, à la fin du jeu, tous les véhicules. Shit. Il y a marqué cheat, ouais. Parce que normalement, on n'est pas censé avoir tous les véhicules. Donc voilà, vous pouvez voir tous les véhicules disponibles à la fin du jeu. Mais aussi les véhicules de base de différentes couleurs. Ça, normalement, c'est les véhicules qu'on peut avoir quand on joue en multijoueur. Parce que faut savoir qu'il y avait un multijoueur à l'époque hein, sur ce jeu. Bon, certes, on pouvait jouer qu'en LAN ou en multi via IP. Mais bon, c'est quand même intéressant de savoir que on pouvait y jouer en multijoueur et qu'il y avait, je crois qu'il y avait aussi des modes hein, de jeu spécifiques au multijoueur. Bref, donc je vous remercie d'avoir suivi, pour ceux qui ont suivi tout le let's play de Carmageddon. Je vous retrouve pour de nouvelles vidéos, peut-être un nouveau let's play. Je ferai quand même deux ou trois vidéos bonus pour vous montrer un petit peu les différents véhicules qui étaient possibles de conduire à la fin du jeu. Hein. Comme vous avez vu, il y a le véhicule de flic, on n'a pas pu le voir en jeu. Enfin bref, voilà. À la prochaine, c'était Diablo. Salut!